Mardi 16 juillet 2024, Nathalie Portman était l'invitée de Jimmy Fallon dans le Tonight Show. L'occasion pour l'actrice d'évoquer l'aide apportée par Rihanna au cours de son divorce avec Benjamin Millepied. Nathalie Portman a traversé des mois compliqués. À 43 ans, l'interprète de Padmé dans Star Wars vient de se séparer de Benjamin Millepied. Au début de l'année et alors qu'elle s'apprêtait à divorcer, elle avait fait la rencontre de Rihanna. Elle se trouvait alors à la sortie du défilé Christian Dior, lors de la Fashion Week de Paris. Les deux femmes qui ne s'étaient jamais croisées étaient rapidement tombées dans les bras l'une de l'autre. Un moment immortalisé par les caméras, alors que Rihanna avait rapidement montré son admiration pour l'actrice. Tu es l'une des bad bae asterisque TCHES les plus hautes d'Hollywood et depuis toujours. Tu as le regard le plus innocent qui soit et je me dis, ah, lui avait-elle lancé. Nathalie Portman évoque le soutien inattendu de Rihanna. 6 mois après cet échange surprenant entre les deux stars, Nathalie Portman a été invitée sur le plateau du Tonight Show. Interrogée par Jimmy Fallon sur sa rencontre avec Rihanna, elle a révélé que celle-ci avait eu un impact sur son état d'esprit. C'était une expérience incroyable pour moi. Je pense que toute femme traversant un divorce devrait avoir Rihanna qui lui dit qu'elle est une bad bae asterisque TCH, a-t-elle déclaré. Par la suite, celle qui est installée à Paris a poursuivi en expliquant que les mots de Rihanna lui ont redonné confiance en elle. Elle a indiqué, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ça a été un moment formateur dans ma vie. Une rencontre très spéciale pour Nathalie Portman, qui était d'ailleurs, au bord de l'évanouissement, face à la chanteuse. L'actrice a rencontré Benjamin Millepied sur un tournage. Depuis sa séparation avec Benjamin Millepied, Nathalie Portman a souhaité rester très discrète. En effet, si leur divorce a été prononcé au mois de février dernier, c'est la première fois qu'elle évoque publiquement cet épisode de sa vie. Pour rappel, Nathalie Portman et Benjamin Millepied se sont rencontrés en 2010, sur le tournage de Black Swan. 2 ans plus tard, le couple s'est marié en Californie, avant de s'installer en France. Par la suite, ils sont devenus les parents d'Aleph, 2011, et d'Amalia, 2017. Depuis leur divorce, ils ont d'ailleurs priorisé de fait d'assurer une transition en douceur pour leurs 2 enfants.